Et bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, on va tester le Bardock Timebreaker ZTUR 100%. Cette fois-ci en Goku Rush, on l'a déjà testé en Extreme SBR Extreme Tech. Ça s'est plutôt bien passé, mais on va le tester ici en Goku Rush pour deux raisons. De 1, parce qu'il stack à l'infini, et de 2, parce qu'il a tous ses bonus en face d'un seul ennemi, ce qui sera le cas, évidemment, en Goku Rush. Donc voilà. Alors on va prendre quelques risques. Parce qu'on va le jouer à côté de Broly et CJ3, parce qu'il a pas mal de liens en commun, ils sont tous les deux en crossover. Voilà, je ramène Mira qui va stacker très vite, Bardock qui va stacker. D'ailleurs, Bardock et CJ3, que je vais jouer avec le Bardock AJ, pareil, hein, il va prendre un petit peu cher. Hein. D'ailleurs, ce serait peut-être un perso à monter lien 10, lui, pour voir ce que ça donnerait. Parce qu'en fait, comme il gagne de la dev via les liens, vu qu'il multiplie ses stats, vu que c'est pendant l'aspect, ça doit pas être si mal. Enfin bref. C'est pas le sujet, donc on va voir ce que ça donne. Je vous cache pas qu'à la fin, je pense qu'on va suer, parce que, bon bah voilà, deux cartes tech, et notamment Broly, face à Bigat Intelligence, je sens que ça va être un petit peu tendu, mais c'est pas grave, hein, on aura le temps de voir toutes les stats du personnage. On est parti, let's go. Et rotation, bon c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. Bon, ce qui est bien, c'est que les végétaux vont rester en 3ème position et venir supporter les rotations à hauteur de 20%, ce qui est plutôt pas mal. Donc 115 KDF, hein, c'est pas exceptionnel encore une fois. Bon, on récupère de la def ici si on monte les liens, ici aussi. Après le reste, je sais pas trop. Donc un petit manque à gagner, mais dans tous les cas, bon c'est pas extraordinaire, on le savait déjà, mais tout l'intérêt c'est qu'on va stacker. Évidemment, on va virer Bardock par contre. Parce que faut que je le rapproche de l'autre rotation. Par contre, niveau dégâts, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Parce que déjà, avec l'extrême SBR, ça tapait bien alors qu'on avait que 230% de stats leader. Donc là, je pense que ça va piquer. Ouais, ça va tabasser. Ouais. Je pense que là, on va être bien. À 2 600 000, hein, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal, sachant que là, on proc pas tous les liens. Il nous manque encore pas mal de liens à activer. C'est pas mal. Bon, les végétaux. Boum. Voilà. Bon, ce qui est bien au moins, c'est qu'on va aller vite parce que ça tabasse. Hein. Broly CJ3, il va tarter comme jamais. Le Timebreaker, il met des bons dégâts aussi. On va aller vite. Alors, on récupère notre ami Brobro. Donc ça, ça fait plaisir. Je pensais qu'on proquait plus de... Ah oui, non, oui, bah, c'est Berserk. Mais là, on le proque pas. Évidemment, parce que parce qu'il faut être en dessous des 50% PV. Peut-être qu'on le sera à un moment donné. On verra bien. Peu importe, côté défense, forcément, le stack commence à agir un petit peu, 138 KDF, même si c'est pas extraordinaire, mais ça va monter, évidemment, sans surprise. On est parti, 2 674, bien sûr, côté attaque, ça va augmenter aussi petit à petit, mais il va falloir attendre un petit peu. Est-ce qu'on kill le nom Brobro? Combien Brobro? 3 900 000, ça pique, hein, ouais, ça fait mal. Et bon, quand on va arriver à Migate Intelligence, on va vraiment rigoler. Ouh. Alors, Goku SJ3, tu vas prendre. Tu vas prendre cher. 160 KDF, tu vas prendre le tarif, mon frérot. Ouais, là, ça va piquer très fort. Hein. Ça va faire très très mal. Brobro va te one-shot. Enfin, pas one-shot, mais. À moins que le Timebreaker parte en additionnel. 2 750, peut-être, je ne sais pas. La réponse tout de suite. À moins que ça tue une fois, je pense pas quand même. Ouais, non. Ouais, bon, allez, Brobro, 4 millions. Vas-y, Brobro. C'est bien. Voilà, ça tue, hein. Ah oui, ah oui. Allez, on est reparti, là, les gars, attention. Il va falloir 125 KDF, Brobro. Bon, 170 le Timebreaker. Là, il faut qu'on tue, parce que sinon, ça va faire mal. Hein. Bon, combien? 6 ki, 7 ki. Brobro, je te fais confiance, hein. Me fait pas regretter, hein. Alors, par contre, Mira, ok, ça passe. Quoique, ouais, faudrait que Mira, il stack. Bon, on va voir, mais ça peut faire mal. Hein. En plus, classe opposée, je rappelle. Hein, ouais, ça peut picoter. Goku, il m'a spé tout à l'heure first, voilà, first position. Même avec 170 KDF, ça va faire un peu mal. Hein. Bon, ça va, mais quand même. Bon, au moins, Brobro est à peu près tranquille. 4 millions. Laisse Mira attaquer s'il te plaît. Ouais, laisse Mira attaquer, ça serait bien. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, parfait. Bon, il y a un Brobro qui prend en auto, hein, forcément. Hey. Bah, un petit stack pour Mira, c'est nickel. C'est parfait, j'adore.
parfait. Bon, alors ici, on a le Dokkan Mode et on va en profiter, les amis. Et même, on va très très bien en profiter. Hein, 136 KDF, 207 KDF. J'ai envie de Dokkan Mode avec Brobro. Hein, 9 ki. Je sens que ça va faire mal. Bon, évidemment, la défense a pris un petit coup, mais ça va, 105 KDF. Est-ce que c'est pas un one shot ça? En vrai, je sais pas, mais à mon avis, on va pas être loin. On va pas être très loin du one shot. Évidemment, l'aspect qui tombe avant que j'attaque. Bon, ça change pas grand chose pour Brobro, mais quand même. C'est. Tu fais perdre mon temps là, Goku. Voilà, tu me fais perdre mon temps. De toute façon, on va tout régène là, puisqu'on va taper. On va tout régène, les amis. Oh, l'accélération! Ok, bah, c'est pas grave. Combien? 5 millions! 5 millions en valeur d'attaque, les amis. Je pense que Goku va prendre très cher. Ouais. Je sais pas si on one shot, mais. Ça va faire mal. Hein. Alors. Ah, avec un crit. Oh là 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 là. Avec un crit, c'est le one shot, mais malheureusement. On n'a pas crit. Bon, bah, ciao. Hein. Ouais. Les amis, on a un dragon d'actif. On est face à Bigaté. Les attaques sont ultra réparties, ce qui clairement m'arrange pas du tout, mais bon, on va faire avec. Il m'a spé en début de tour. Bah là, ça va tomber soit sur Bardock, soit sur Broly, hein, c'est quand même très probable. Bon, avec le dragon, ça devrait aller, mais. Enfin, et encore, je dis ça. À mon avis, ça va piquer bien comme il faut quand même, hein, même avec le dragon. Enfin, surtout sur Broly, quoi. Bon, du coup, on va prendre. Tu sais quoi, on va prendre un ki, je crois. Ouais, peut-être 2. Bon, allez, 1, 2. Bon, et 2. Ouais, gêne un petit peu. Parce que là, je pense qu'on va prendre très très cher, dragon ou pas dragon. Ça va picoter, les gars. Bon, le time break. Voilà. 2 millions 9, 3 millions, bientôt. Donc, quand même, hein, 3 millions, les gars, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon là par contre, ouais. J'espère sincèrement que l'aspect tombe pas sur Brobro parce que sinon, je donne pas cher de nos PV. Ok, 0 en auto, bonsoir. Ok, ok. Bon, Vegito va prendre cher aussi vu qu'on est en désavantage type, mais il peut contrer. Ah oui. Oh, double SP, double def, j'aime bien. J'aime bien. Donc vous voyez quand même le Timebreaker niveau dégâts, ça déconne pas. Hein. Bon, côté def aussi, forcément ici vu qu'on a le temps de stack, mais l'aspect... Non, pas de spé. Ok. Bon, allez, il faut finir Bigaté puissance là. Il faut en terminer, les amis. Ça serait bien. Bon, Brobro, oula. Il y a beaucoup d'attaques sur Brobro là. J'aime pas trop. J'aime pas trop. On va faire ça. Deux petits ki. Et le reste pour Super Mirage. J'aimerais bien qu'on le finisse ici. Donc, let's go. Le Timebreaker, 2850. Il y a les Végétaux qui donnaient 20%, c'est normal. Ok. Très bien. Pas d'additionnel. Broly. 3 millions 2, je sais pas si ça finit. Hein. Avec un crit peut-être, autrement, non. Ouais. Aïe, 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 les gars, Brobro. Ça va parce que c'est Migaté puissant, c'est pas Migaté intelligence. Hein, parce que sinon... Ah, ça aurait pas été les mêmes dégâts, les amis. La fin de combat s'annonce passionnante. Alors, je viens de faire un tour, les gars. Migaté a esquivé mes 3 spé. Et en plus, il m'a spé sur la pire position. Incroyable. Vraiment, un tour légendaire, quoi. C'est le cas de le dire. Bon, bah écoutez, ça promet. On va mettre un Whis. Hein, on va mettre un Whis, parce que là, on peut pas trop se permettre d'y aller à l'aveugle. On va mettre Brobro devant. On va mettre Brobro devant parce que il va sûrement spé à la fin ou sur Bardock. Donc on va faire comme ça. Hein, et j'espère qu'il va arrêter d'esquiver parce que sinon on va pas avancer hein, dans ce combat qui s'annonce un petit peu tendu. Voilà, 17k malgré l'item, quel plaisir. Bon, Brobro, il faut crit, il faut attaque additionnelle, la totale. Je compte sur ta coopération. Super, ça commence. Ok, ouais, ok. Non mais attendez, c'est quoi ce sketch là? Oh, il se passe quoi là? C'est buggy ou quoi? C'est quoi ce délire? Les gars, il m'a esquivé 5 spé sur 7. Non mais c'est... Mais c'est n'importe quoi.
Oh là là, mais cette non-luck, mais c'est incroyable! Mais c'est incroyable! Oh là là! Eh ben. Waouh! Bon, bah. On va devoir remettre un Whis! Ouais! On doit remettre un Whis, les gars! Ouais! Ça va être tendu cette histoire, ça va être tendu! Ouais, toutes les attaques qui sont devant, les amis. Ah, ce tour, bon, on va essayer le Timebreaker évidemment, qui a quand même à ce stade-là une défense très sympathique, hein, 275 KDF. Mais comme on l'a vu dans la vidéo avec Mira, j'avais plus ou moins la même def et j'ai pris 315 SP. Hein, donc ne pas sous-estimer les SP, surtout quand t'es en classe opposée, parce que sinon tu te prends des mandales de l'espace. Donc on est parti. Si Brobro mange l'SP, je pense qu'on est mort, hein, sincèrement, là, classe opposée. Migadet, tu peux arrêter d'esquiver s'il te plaît, parce que franchement, je crois le mec il m'a jamais autant esquivé de sa vie. Et le problème c'est que là, avec cette rota tech-tech, extrême tech même, j'ai pas trop le temps, tu vois. Donc arrête quoi. Arrête s'il te plaît, ça serait... bah oui. Les amis, je donne pas cher de nous, hein. Je sais pas si on va réussir à finir la game. Hein. Ah ouais, bon là par contre, avec l'item, forcément, ça fait le taf. Bon, Brobro, 5 millions, faut critique. Ouais, faut crit, dépêche-toi. Merci. 13ème, bah, 32k dans la gueule, bah oui. Oh là, mais c'est pas possible. Non, mais les gars, c'est trop là. On a plus d'items. Oui. Il nous reste quoi en stock? Une princesse. Bon, on va mettre la princesse là, clairement. Mais le 2k de mode est pas loin. Le 2k de mode est pas loin, les gars. Donc, il y a moyen de se démerder. On va prendre ça. Combien le Timebreaker là? 300 KDF ouais, ouais, 300 KDF quasiment. Brobro va prendre le minimum syndical. Et puis Mira va continuer de stacker et nous régénérer un petit peu accessoirement d'ailleurs. Et Dokkan Mode au prochain tour. Et peut-être qu'on va réussir à s'en sortir, mais je ne sais pas. 3 millions. Pas mal, pas mal. Bon, en même temps, pas étonnant les gars, une rota full extreme tech, forcément, ça pose des petits problèmes. C'est totalement logique, l'aspect qui va sûrement tomber là-devant, voilà, bah, bon, je le dis, bah oui. Forcément, ça tombe, hein, parce que contrairement au mode Akaishin, Miyate, il a quand même un pattern assez facile à prévoir. 128k, c'est bon, pas de problème. Broly, bon, 3 millions 2, il a pas pris beaucoup de ki, hein, bon. Mais il peut toujours crit et attaque additionnelle, hein, éventuellement. Bon. Bon, on a de la chance, il n'y a pas trop d'attaque sur Broly, hein, ça va encore. Bon, allez hop. Allez, Dokkan Mode. Bon, je me suis encore fait esquiver une spé, sinon je pense qu'il était mort. Donc, on va pouvoir en terminer. 500 KDF, merci le C8 hein, que j'ai dû placer. Et bah, a priori, c'est fini. 10 ki pour Brobro, enfin, c'est fini. Ouais, sauf s'il esquive toutes mes attaques. N'est-ce pas? La spé va peut-être tomber hein, devant, il y a moyen. Bon, 3000. Non mais c'est un sketch hein, cette game, hein. C'est un sketch, il m'a jamais autant esquivé, jamais. C'est incroyable. Bon là heureusement à ce stade là c'est bon, mais quand même hein, j'ai pris encore 100k dans la tronche alors que j'ai 500 KDF. Hein. Ouais, en fait il faut 600 KDF, c'est ça, il faut 600 KDF à classe opposée pour... classe opposée, type opposée pour pas prendre de dégâts. Bref, bon les amis, on réussit à terminer ce combat, il nous restait pas grand chose. Hein. Je crois qu'il me restait un item. Donc c'est un petit peu tendu de finir, mais bon, peu importe, hein, c'est logique, hein, je veux dire, tu gardes une rota extreme tech sur une des deux face à Bigaté Intelligence à la fin, forcément, c'est pas voilà, c'est pas une bonne idée. Hein. Mais le souci, c'est, enfin, ce qui était important, c'est de tester le Timebreaker en mode long, et en mode long, bah, il est très très bon, hein, il est excellent, hein, la défense monte assez vite, on met de très bons dégâts, il a du ki, bon voilà, il n'y a aucun problème spécial, hein, vraiment très très bon personnage, sauf que c'est pas un Dokkan Fest, hein. C'est un perso hors détecteur, hein, même s'il fait des dégâts immenses. Donc c'est très très bon hein, en mode long. Donc pour conclure, mode long très bon. Alors après, en histoire finie, s'il faut être très bon tout de suite. Bon, ça va, mais attention quand même. Après, sinon, bon, il ne démarrera pas trop mal. En Goku Rush, c'est excellent. Et en SBR, c'est pas mal. C'est jouable, mais c'est pas exceptionnel. Mais c'est pas mal. Ça se joue, il débuff quand même. Donc c'est plutôt cool. Voilà tout les amis, on va s'arrêter là pour la VOD. J'espère qu'elle vous a plu, hein. Je me suis fait esquiver comme jamais, hein. Encore je vous ai pas tout laissé, hein, mais je vous jure, là il doit avoir 40% d'esquive Migaté sur la game, c'est un délire. Bon,
Sur ce, le petit pouce bleu, on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt. Salut!